الصعوبات والمشاكل التي تعترض إفريقيا على مستوى هذه الأهداف؟ ما هي التوصيات التي يمكن أن تصدر هذا المنتدى لتجاوز هذه الصعوبات وهذه المشاكل؟ أهداف التنمية المستدامة هي أهداف حددتها للأمم المتحدة في أفق 2030، واليوم هذا المنتدى الإفريقي الجهوي كيحاول ما أمكن يقيم فين وصلت إفريقيا، شنو هي الـ العوائق أو المشاكل أو المسائل اللي كتعترض تحقيق هذه الأهداف. والمغرب كيتشرف باش يستضف هذا المنتدى الجهوي، هذا تقدير المغرب، تقدير لجهود المغرب، تقدير لريادة جلالة الملك في المجال الإفريقي وفي مجال التنمية المستدامة بالذات. والمغرب عنده واحد مجهود مجموعة مهمة من المبادرات اللي تقدم فيها، احنا كنشوفوا الطاقة المتجددة، كنشوفوا الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كنشوفوا مثالية الإدارة وهذه المشاريع كلها وغيرها من المشاريع الكثيرة اللي تلقها المغرب واللي كتشكل اليوم نموذج على المستوى الإفريقي. اليوم تستحضر مدينة مراكش المنتدى الجهوي لأهداف التنمية المستدامة في دورته الخامسة اللي المغرب غادي يترأس هذه الدورة، بحقيقة برؤية متبصرة لجلالة الملك محمد السادس مؤطرة لتسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة، لننتقل من الالتزامات إلى الفعل، إلى مشروع عملي لتحصيل وتنزيل أهداف التنمية المستدامة. غتكون رهن الإشارة الخبرة الوطنية المغربية، غيكون أيضا مؤطر لهذا التوجه لهذا التسريع هذا المسار بالسرعة القصوى التوجيهات الملكية السامية، على اعتبار أنها جلالة الملك يضع التنمية المستدامة، التغير المناخي، القارة الإفريقية بمشروعها المتكامل المندمج في إطار الأجندة 2063 في أولى الأولويات، سواء على المستوى الوطني وعلى مستوى التعاون الثنائي والأممي. اليوم مراكش في ما احتضنت انطلاق وميلاد واحد التوافق حول مشروع جديد مستدام، اليوم كذلك غادي ينطلق بهذه التوصيات إن شاء الله غادي نديوها المنتدى الرفيع المستدام اللي غيكون في نيويورك في يوليوز، لحظة غتشكل منطقة منعطف ولحظة حاسمة باش نسرعوا ونمشيوا في السرعة القصوى من أجل أن ننطلق من الالتزامات والإرادة إلى الفعل لمشروع تنموي مستدام يبدأ بالقارة الإفريقية وحله كامن في القارة الإفريقية. Vous avez dressé un tableau tout à l'heure, Madame la Secrétaire Générale Adjointe, assez sombre sur le développement de l'Afrique. Que pensez-vous ou qu'espérez-vous à travers cette réunion aujourd'hui à Marrakech pour accélérer ce développement dans tous les domaines pratiquement? Alors, je vais dire que le tableau n'est pas entièrement sombre. Donc, effectivement, j'ai présenté les défis auxquels le continent fait face, mais j'ai également indiqué, disons, les acquis et les progrès. En fait, ce tableau, je pense que c'était beaucoup plus un cri d'alarme. Ça nous interpelle parce que, tout simplement, il ne nous reste que 11 ans. Et 11 ans, ce n'est pas beaucoup pour atteindre les objectifs de développement durable. Quel est l'apport de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique? Alors, l'apport de la Commission, d'abord, c'est que, un, nous faisons des études assez stratégiques pour démontrer, d'abord, quels sont les défis auxquels nous faisons face, donc à travers tout le continent. Deuxièmement, nous donnons un appui technique pour pouvoir mettre en place des politiques qui s'alignent à ces ODD, mais également à l'agenda 2063. Donc cet apport technique permet de pousser un petit peu l'avancement de l'agenda. Et troisièmement, comme justement à travers ce forum, c'est de pouvoir travailler avec tout le système des Nations Unies et les pays africains, de faire ces échanges, de pouvoir faire un apprentissage à travers les pairs, et de voir dans quelle mesure il peut y avoir une coopération sud-sud au sein du continent et au-delà pour faire avancer les ODD. Vous avez donné un bilan sur le développement durable en Afrique. Quelles sont les principales conclusions? Voilà, merci beaucoup. Comme vous le savez, le Sénégal assure la présidence du Forum régional africain pour le développement durable parce qu'elle est abritée au mois de mai 2018. Et durant notre mandat, nous avons eu à préparer la contribution de l'Afrique au niveau du forum politique de haut niveau qui s'est tenu au mois de juillet 2018 à New York. Et durant ce forum,
le système des Nations Unies, à travers son Assemblée Générale, a hautement apprécié les avancées de l'Afrique. Mais malgré ces avancées aussi, nous sommes donnés comme rendez-vous de constater des manquements et des dysfonctionnements dans la mise en œuvre de ces ODD. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que dans tous les pays d'Afrique, la mise en œuvre des 17 ODD n'est pas effective. Et ce qui pose problème, d'autant que nous sommes à N-11 de l'agenda 2030. Et si nous avançons à ce rythme, nous osons croire qu'au rendez-vous du bilan, l'Afrique pourrait être en reste. Ce qui fait que nous avons jugé nécessaire de développer une stratégie en sensibilisant les décideurs, en sensibilisant les acteurs, en sensibilisant les partenaires, afin qu'ils puissent voir avec les gouvernements comment mettre en place des indicateurs qui sont atteignables, mais aussi comment mobiliser les populations et les autres acteurs de la société. Son Excellence Mohamed Lahdi Belkaï, président du Conseil communal de la ville de Marrakech.